On est de retour et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon premier unboxing. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais partager ça avec vous. J'étais transpirée par mes blogueuses préférées comme Camila Coelho ou Cara del Toro. Sont les deux, une est brésilienne et l'autre elle est une fille américaine. Donc c'est parti, j'ai plein de cadeaux. Il y a des cadeaux de Pretty Little Thing que je pense que vous connaissez déjà et que j'adore. On a aussi notre haul Sephora et on a aussi des lunettes. Et bon, la plupart des cadeaux que je reçois tout le temps sont des cadeaux beauté. Prête? Je suis hyper excitée. On va commencer avec Pretty Little Thing. J'ai reçu, c'est la toute première fois que je travaille avec eux. Et là, j'ai plein de choses. Je fais ma commande, surtout pour mes petites robes été. J'ai déjà fait un reel sur Instagram que je vais vous partager. Donc, si vous voulez voir vraiment les looks, ils sont là, aussi les liens. Je prends tout le temps des petites robes été parce que je pense que c'est les plus faciles à porter, comme telles, ou plutôt des hoodies. C'est vraiment mon uniforme. Je pense que ça peut être hyper chic, des jeans ou juste un hoodie. Ça rend toujours bien, c'est simple, c'est frais. Mon prochain, c'est un haul que j'adore. Et voilà, je ne vous fais pas plus loin, c'est avec Sephora. Je travaille avec eux depuis un an. Et c'était toujours mon rêve de travailler avec Sephora. Je trouve que c'est un concept incroyable. Et sincèrement, je suis trop fière, trop touchée. Aujourd'hui, je fais partie de leurs influenceurs en France. Et on reçoit tous les mois les nouveautés de produits beauté, cheveux, corps. Bon, bref, toutes les marques qui sont vraiment très, très en vie. D'ailleurs, il y a aussi la marque Sephora Collection. Et il y a plein de marques américaines qui ont débarqué comme Drunk Elephant, Pixie. Et qui font partie aujourd'hui des marchés français. Donc, je vais vous montrer un peu des cadeaux. Voilà, on a ici une crème de peptides de Drunk Elephant. On a une marque aussi de la, voilà, qui appartient à la marque Sephora. On a aussi Coco and Ivy pour les corps. On a, quelle autre marque je peux vous montrer? On a aussi les palettes qui sont extraordinaires des tartes. Je vais vous raconter quelque chose de vite fait. Il y a 200 tartes pour le lancement en France. Ils ont fait un événement. DRF, ça veut dire qu'ils ont lancé un événement où ils ont rempli un appartement de produits. Et en fait, tous les blogueuses de Paris, on pouvait aller là-bas et prendre autant de maquillage qu'on voulait. Je ne vous raconte pas, c'était la folie. Je n'avais jamais vu ou été dans un événement comme ça de toute ma vie. Après, on a le produit des Pixie. La vitamine C, cette masque, elle est hyper puissante, surtout pour les taches. On a aussi la marque Moroccan Oil et on a Rituals. Donc, ce sont toutes des marques hyper puissantes, hyper commerciales et ça fait tout partie des Sephora Haul qui est, il y a chaque mois, chaque deux mois, il y a toutes les nouveautés à découvrir, à tester et à donner notre avis. Ensuite, on passe à la partie lunettes. Ça fait deux mois que j'ai commencé une collab avec une optique en France à Paris. Ils m'ont contacté pour faire la pub, voilà, aussi pour vous inviter à vous-même si vous voulez aller là-bas. Je peux avoir des coupons discount. Et ma première paire de lunettes que j'ai choisi avec eux, c'était Versace. Je trouve qu'elles sont hyper cool. Ça faisait un moment que je rêvais d'avoir ces lunettes. Ce sont les lunettes que Hailey Bieber, elle porte toujours. Et elles sont hyper stylées, un peu vibe 80. Après, on a les lunettes de chez Fendi. C'est la deuxième paire que j'ai choisie. Et c'est pour changer. Il y a la couleur un peu marvelée. Ça, c'est l'idée du propriétaire. Il m'a dit, écoute, il faut que tu changes de temps en temps. Tu ne peux pas avoir toujours le noir. Donc, et voilà. Ça appartient à la nouvelle collection des Fendi chez Roma. Ils sont aussi très classe, très fin fatal, je trouve. Notre prochain produit, c'est Shuemura, The Art of Hair. Et ça, c'est un cadeau de mon ami Sauro. C'est un coiffeur italien. Il est vraiment le meilleur. Il fait partie de tous les coiffeurs qui font tous les défilés, les festivals de cinéma. Et il m'a envoyé ses coffres. C'est incroyable. Je vous dis, moi, les cheveux crépus, ça les rend lisses et tous en soi. On a ici
le conditioner, le balm. On a le masque de nuit et on a aussi les shampoings. Merci, Sauro. J'adore Shuemura. Mon prochain, c'est la palette de chez Tarte, la palette lèvres, en fait. On a tous ces lèvres qui sont faites à partir de l'huile de maracuja. En fait, ils sont hyper juicy. Ça s'appelle Juicy Our Lips. C'est la collection que Tarte est en train de lancer. Ils font toujours des collections capsules pour les lèvres, pour les anti-cernes, pour les fonds de teint. En fait, ils ont une idéologie qu'il faut toujours faire la recherche des nouveaux produits qui vont vraiment hydrater la peau. Et un de ces ingrédients, on va dire clé, c'est l'huile de maracuja, qui est cette fruit exotique. Guys, on a aussi un cadeau hyper mignon de la part de Sonia Reichel. Je commençais à bosser avec eux il y a 3 mois. J'ai eu vraiment un coup de cœur, j'étais dans leur showroom, ils sont hyper gentils. Et là, j'ai reçu un hoodie de sa nouvelle collection. Il vient de lancer une collection, un jersey écologique. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Je vais vous laisser les liens aussi si vous voulez le voir vous-même. Il y a plein de modèles. Et ce que j'adore, je trouve trop cool, c'est la phrase, elle est faite un peu en graffiti. Et moi, j'adore parce que c'est un peu arty, donc j'ai vraiment apprécié ces cadeaux, il est trop cool. Et ensuite aussi, c'est pas fini, on a une paire de lunettes, Sonia Reichel. Ils font vraiment très très fin fatal. Je choisis toujours les choses qui font très fin fatal. Donc, on a ces modèles chez Sonia Reichel. Merci, madame. Notre prochain cadeau, c'est cette boîte, box de e-commerce Gloria. C'est un e-commerce français, mais en fait, leur ADN, on va dire, sont des marques très écologiques. C'est différent de Sephora parce qu'en fait, ils vont être vraiment focus sur les marques qui sont plus naturelles, avec surtout peut-être des marques, des nouvelles marques. Donc, j'ai reçu ça. Ce sont tous des marques basées à l'aloe vera, du camomille. Donc, c'est un concept un peu plus oligo-naturel. On a reçu ça. On a la crème. Déjà, tout c'est bio. Il n'y a aucun ingrédient qui est un peu plus chimique. On a vraiment un packaging qui ça fait déjà très épuré, très biologique, écologique. On a aussi... C'est tout à base d'eau, c'est vraiment pour les filles qui ont la peau hyper sensible. Et on a aussi ça, j'ai reçu 2 paquets en fait. Ça c'est pour les cheveux, on a reçu les kits pour faire les taches de rousseur. Et aussi une crème pour les cheveux de Sacha Juan, ça vient de Stockholm. D'ailleurs aussi, il y a une nouvelle gamme de beauté. On a tout ce que c'est la K-Beauty, c'est la beauté coréenne. Et on a aussi toute la beauty qui vient de pays comme Stockholm, Norvège, la Suède, qui sont vraiment des marques hyper épurées, ils sont blancs, ils sont vraiment un concept très cool. Et voilà, je pense que bientôt, ils vont vraiment faire le boom de tout ça. Et ça, ça appartient à cette nouvelle marque de beauté. Pour toutes les filles qui ont envie de découvrir ces marques, je vais laisser ici un des liens. Déjà, je vais vous partager les sites Gloria. C'est vraiment très cool, un peu sauvage, un peu naturel. Donc, vous pouvez aller là vous-même et découvrir toute la gamme de produits que je vous parlais tout à l'heure. Guys, notre prochain, c'est un sèche-cheveux des T3. Elle est incroyable, elle est hyper pratique pour les voyages. Je la conseille vraiment si tu n'as pas envie de charger avec toi tout ton kit cheveux. Elle est petite, elle est mignonne. Et surtout, elle sèche le cheveu hyper rapide. Elle a toutes les fonctions pour sécher les cheveux hyper rapide et les laisser lisses et soyeux et lumineux et tout ce qu'il faut, et tout ce que vous voulez pour vos cheveux, pour que vous deveniez très très belle. Un de mes favoris, surtout, c'est ce cadeau de la part de Drunk Elephant. Non, j'étais hyper excitée quand j'ai reçu ça. J'étais partie de la campagne de lancement en France des Drunk Elephant. C'est une marque, vraiment, elle est trop trop belle, elle est trop stylée, hyper pointue. Il y a tout ce qu'il faut pour que ta peau devienne hyper belle et soyeuse. Et là, ils ont fait un jus de bergamote personnalisé dans la même couleur de la crème de lancement. Et justement, le bergamote, il est là.
Et je trouve vraiment que c'est trop stylé. Merci à Drunk Elephant. C'est trop quelque chose qui me touche au cœur quand tu reçois des cadeaux spéciaux comme ça. On passe et on continue encore à notre crème de beauté avec la marque Film Laboratories. C'est une marque qui est vraiment pour illuminer ton teint. Je conseille ça pour les filles au-delà des 35 ans. Ce sont des produits quand même assez chimiques et je pense que si tu es jeune, tu n'as pas besoin de tester des choses fortes comme ça. Mais pour les filles qui ont envie de problèmes d'acné, de taches, des rides, ce sont des crèmes que vraiment ils vont te faire une différence. Surtout pour les filles qui ont envie toujours d'avoir la peau hyper lisse, un peu Instagram filtre, Film, c'est vraiment une option pour vous. La gamme, ils sont tout ce qu'il faut. On a les Eye Cover Recovery Mask, donc on a les Eye Patch, on a la crème masque en acide hyaluronique. Donc déjà, ces deux ensemble, c'est un boost énorme pour ta peau. Ensuite, on a le Skin Perfusion Glycolic Peel Mask. Je conseille ça vraiment de faire que la nuit. C'est très important que vous fassiez attention au soleil parce qu'une fois que tu appliques des produits si fort que ça, tu risques vraiment d'étacher encore plus ta peau. Donc voilà, on a la Glycolic Peel Mask, on a Global Generation, ça c'est vraiment pour lisser la peau. Au-delà des 30 ans, la peau elle perd beaucoup de régénération au niveau du collagène. Bon, on commence à perdre tout. Donc on a besoin vraiment des crèmes qui vont mettre et booster à fond notre capital jeunesse. Ensuite, on a la crème Dash Dark Spot, c'est fait à la base de vitamine C. C'est vraiment pour éliminer les petites taches qui ont des tests, des acnés, des soleils, des vieillesses, des tout. Donc on a tous les produits pour que ta peau elle devienne hyper belle. On a aussi la gamme de maquillage, on a la poudre. Malheureusement, j'ai la peau sec, donc la poudre je l'utilise presque jamais. Mais pour les filles qui ont la peau grasse, elle est vraiment parfaite parce qu'elle est très léger. Tu ne vas pas avoir l'air d'être un peu un pain au chocolat ou quoi que ce soit. Après, on a les rouges à lèvres, on a l'hydratante et on a aussi les rouges Velvet, comme celle-là par exemple. Ensuite, on a notre mascara Volume de Storvia de Givenchy. Sont des maquillages vraiment qui vont sublimer ta peau. Je vous dis ça, en fait, de toute ma vie, je détestais les maquillages, ok? Je me bagarrais même avec ma mère parce qu'elle voulait toujours que je sois maquillée. Et moi, j'ai détesté, ok? Et depuis que je suis devenue blogueuse, j'ai eu une découverte qu'une femme maquillée, surtout bien maquillée, elle a un pouvoir de séduction infini. Donc, c'est pour ça que je vous conseille pour tous les filles, si vous ne te maquillez pas, maquille-toi, ok? Parce que ça va changer ta vie. Et surtout si tu le fais avec de bons produits comme Givenchy. Juste pour finaliser notre unboxing Givenchy, on a ici notre prise livre Skin Care and Glow. Et c'est le plus important, toujours les fonds de teint, parce que c'est la base vraiment pour avoir un maquillage des règnes. Donc, de mes marques préférées, je dois dire que c'est Armani. Je sais que tout le monde adore Armani, mais pour moi, elle reste quand même assez chargée. J'ai une peau qui est quand même déjà très sec. Donc, Chanel, c'est incroyable. Givenchy, c'est incroyable. Je suis, moi, pour les marques comme un MAC. Sur ma peau, ça fait un effet trop sec. Et je préfère d'avoir un effet glowy, très naturel, très frais. Bon, je vous ai déjà parlé de Drunk Elephant, mais ici, on a vraiment toute la gamme de produits à Drunk Elephant. On a le gel, on a le masque de nuit, on a les eye serum, on a le masque régénérant. Je vais l'ouvrir pour vous montrer que c'est incroyable. On a best-seller Jelly Cleanser, on a Virgin Marula Luxury Facial Oil, Sea Firma Day Serum, Serum du jour, toujours, excusez-moi en français, Retinol Cream pour la régénération de ta peau, Electrolyte Water Facial Mask Hydratante, ça c'est très important, ça c'est mon préféré,
Il fait partie de mes routines. Ça suffit que je mets ça la nuit. Et le lendemain, je vais avoir un temps hyper glowy. Ouais, je suis obligée, un peu obsédée avec les glowy, mais bon, c'est ce que ça me va le mieux. Après, on a le facial lissant. Sukari Baby Facial. J'adore, ils sont des noms un peu bizarres. Mais bon, Sukari, je n'ai pas compris pourquoi, mais... Elle fait vraiment aussi des merveilles, surtout à mettre avant ton Electrolyte Water Facial. Ça va ouvrir les pores, lisser, et ensuite tu vas hydrater. Et on a encore une crème de glycolique. Ça, j'utilise presque pas, mais pourquoi pas un jour à essayer. On a la Eye Cream Citango Multivitamin Eye Cream. Crème contour des yeux multivitaminée. Les filles, j'ai un conseil pour vous, pour les garçons, pour tout le monde, pour toute la planète. C'est très important de prendre soin de la santé de votre yeux parce que c'est un des parties les plus sensibles et une fois qu'elle est foutue, c'est vraiment très difficile à la reprendre. Je vous dis parce qu'une fois que tu commences à avoir les rides comme ça partout, même pas avec les piqûres, tu peux reprendre ça. Tu pourrais, mais bon, après ça fait un peu bizarre. Donc, s'il vous plaît, je vous aime, vous le savez que je vais vraiment les mieux pour vous. Il faut que vous mettez la crème des yeux tous les jours, matin et soir. Là, on a le Hydration Serum, sérum hydratant intensif. Et ça, c'est toute la collection, toutes les crèmes des Drunk Elephant. C'est une petite boîte qu'on a reçue ici, hyper stylée. Comme toute la marque, elle a un concept incroyable, hyper pointu. Et vraiment, pour moi, c'est une des marques les plus top de tous les marchés. Notre unboxing de juin, c'est fini. Là, je porte aussi un cadeau de la part des Nastigal et Paton. Ça fait partie aussi de mon unboxing de dernier mois. Donc, merci à toutes les marques qui font possible ces vidéos. C'est vraiment un plaisir de partager toutes les nouveautés, des crèmes, des cheveux, des mots, Pretty Little Things, Sephora, Drunk Elephant. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Si vous avez des commentaires, des questions, n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram. C'est très important pour moi de connecter avec vous. Vous me laissez votre commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des partenariats pour les marques ou même pour des autres youtubeuses qui sont là, bon, je suis là et j'espère que ça vous a plu. Et rien, on se voit prochainement pour une autre surprise avec vous. Notre prochaine vidéo, ça sera fait avec Pretty Little Thing. On aura une surprise pour vous et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais partager aussi mes influenceuses préférées de France et aussi un peu de l'étranger. Des filles que je pense qu'ils ont un style hyper pointu. Des filles que quand même, ils ont fait déjà un chemin. Des filles qui font des collabs pour les gens qui ne connaissent pas trop en France. For the people that you don't know a lot in Paris, I will share with you all the influencers that they are working in France, my favorite girls, and of course, my favorite styles of the moment. À notre prochaine vidéo, et je vous aime très fort, c'est Patricia Gloria Contreras.